Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Véran. Et je tiens à vous préciser que maintenant j'ai un code créateur Master Dredri. Oui, pour me soutenir, c'est tout simple. Il suffira soit de gagner des V-Bucks ou au pire des cas d'acheter via la boutique. Ça m'aiderait énormément. Et si vous voulez encore plus me soutenir, oui, en plus de taper le code créateur Master Dredri, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Allez, ciao ciao Amina. Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Drian, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur Fortnite. Nous sommes actuellement donc à la nouvelle saison, donc on est le dimanche, on est le 18 septembre. La nouvelle saison a commencé, donc le chapitre 4, saison 4. Qui dit nouvelle saison, dit bien sûr nouveau contenu, surtout en termes de Battle Pass. Nous allons regarder ensemble ce qu'il y a. Je n'ai pas lancé le jeu. Je l'ai lancé juste actuellement en baissant la tête en enlevant toutes les actualités. Donc je suis neutre total. Là je vais baisser la tête pour pas voir. Donc dès que vous verrez en avance, je vais cliquer rapidement. Là. Voilà. Alors, on débloque obligatoirement quand on a le pass de combat. Donc moi je l'ai. Je possède le côté donc free et le côté payant. Donc on obtient le paradigme réalité 659. Je suis pas ultra fan. Elle est jolie mais je suis pas ultra fan. Donc après on aura le hyperjet lunaire. Donc le sac à dos. La traînée paraplongée. Que je trouve sympa. Outil de collecte. Ça celui-là par contre je trouve très beau. Nous avons droit à l'écran par rapport donc au perso qu'on vient juste de voir juste avant sur cette page. Bon après il y a icônes, les V-Bucks, les émotes, les tags, ça ok. Le deuxième donc c'est Fusio. C'est celui de la deuxième page. Alors je vais être honnête avec vous, je ne suis pas non plus hyper fan de Fusio. Très, très spécial comme perso. Mais je vais pas vous mentir que là, je viens de voir que bah, le fond d'écran, l'écran de chargement plutôt, il est sympa. Il envoie. Il envoie. Je vais pas vous mentir, il envoie. Le planeur, donc feu chromé. Parce que la saison va être basée donc par rapport au méchant qui a été teasé dans la saison juste avant. La plante, qui était le méchant. Le sac à dos de Fusio, sac typique. Ok. L'OST. L'arrivée du néant. Qui est très sympa. La musique est cool. Je n'aime pas la pochette, mais la musique est boule. Et très très cool. Parfois le néant peut changer votre destin, braver l'inconnu dans le futur série de 4 marches ténébreux. Ok. Donc ça se trouve, ça c'était une lame que pour le perso qu'on a. Est-ce que c'est l'arme que pour Fusio? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est avec lui. Le deuxième, donc. Elle est en combinaison d'entraînement. C'est pas celle d'avant qui s'appelait Réalité 659. Là, c'est carrément combinaison d'entraînement. On a le planeur L lunaire. Par contre, elles sont cool. Elles sont cool. L'écran de chargement avec le chrome, bus en métal poli. Donc on voit tout ce qui est par rapport relié à la saison, donc le chrome. Fusio avec des couettes. Et donc avec le masque qu'on a vu dans l'écran de chargement. Fusio en vagabond. Hein, franchement j'ai du mal avec Fusio, je suis pas fan. Chromogenèse. Qui est, à mon avis, je pense, pour tout le monde, peut-être au final, sinon il aurait marqué uniquement pour Fusio. Enfin, je pense, hein. Donc, là, cette fois-ci, on a un Fusio voyageur solitaire. Le skin... Waouh!
C'est un nounours. C'est un ours qui est contrôlé par un ours qui est en train de jouer avec une manette. D'accord. Waouh, il est vachement cool. Le gourdin gluant, donc de l'ours. Le ballon à bleuvage, donc relié avec l'ours. L'OST. So small and tame, you hardly know I'm there. Till my slap suit ends you, then you know you missed a clue. D'accord. Ah, est-ce que ça commence? D'accord. Alors, musique. Les what the fuck, j'adore. Oh, elle est cool. Oh, elle est cool. Elle est cool. Griffe d'ours. Donc en termes de pour quand on descend. La récompense, donc le plein écran avec lui. Ah, oh, allez, elle envoie du lourd. Elle envoie du lourd. J'adore. Alors ensuite, c'est quoi ça? Ok, les sardines. Donc à mon avis, ouais, donc ouais, c'est par rapport au skin au milieu, c'est un chat. Arrête d'assaut. Yeux sur le laser. Ça c'est vraiment, vraiment la spécialité des chats. Hein. Tu mets un petit laser, ils sont tout excités. Le skin. Miaou. Miaou original. Donc en gros le miaou original. Un truc pour déconner. Miaou original. Il est mignon, what the fuck, j'adore. Il a l'air blasé, mais il a le petit sourire et tout, il est tout kawaii. Il fait voir son écran de charbon. C'est spécial, mais il est entouré avec le chat qui est musclé. Non, ça va très très bien. Ça va très très bien. Ah, l'icône avec le... Oh, elle est trop bien. Oh, elle est trop cool. Pampan le lapin. Ok. Trop mignon. Donc, Lennox rose. Ah, oh, elle est toute belle. Oh, elle est kawaii. Elle est toute kawaii. Fumée rose. J'adore. Et le plein écran de cette page. D'accord, il y a Spider-Gwen. Fusio. Et donc la meuf que je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est elle. On la voyait en armure. D'accord. Lennox Rose, Vandale branché. Je la trouve jolie. Ah mais... Je la trouve jolie. Non, elle est très belle. Donc avec son fond d'écran. Par contre son fond d'écran il est trop stylé. Avec Pampon le lapin. Ah, le paradigme. Combinaison de combat lunaire. Donc c'est bien elle. Ça, c'est sa combinaison. J'aime de ouf. Alors, ça va pas trop sur mon Spider-Man, mais j'adore. Le planeur. La planche magnéto-répulsive. Stylé. D'accord. Donc nous avons Jumeau. Ok. Un look très spécial. Je suis pas hyper fan, mais un look très spécial. Le planeur, par contre, il est très beau. J'adore le style. Mia original. Septième ciel. Ouais. Alors, il y a une OST. J'ai un peu peur d'avance, mais on va regarder avant. Le sac à dos. Ok. Oh! L'invasion des miaou miaou. Ah, j'adore. Avec un M, qui ne veut pas dire Mario, malgré que la casquette est rouge avec un M. Mais qui, à mon avis, qui veut dire Miaouvni. Ah bah oui, OVNI, Miaouvni. Ouais. Et l'OST avec un truc de chat dessus. On va écouter. Très très sympa. La musique est très sympa. Donc, le fond d'écran de l'aperçu de cette page.
qui est juste stylé. J'adore le style. J'adore. Camouflage océanique, ok. Numérisation. What? Et on prend l'apparence de la meuf? Ah non, c'est... Ah, c'est jumeau, presto! Là, c'est jumeau. Et on fait la numérisation qui fait le jumeau presto. Donc en fait, c'est jumeau, mais en version fille. Bah, ça lui va mieux. Et particules de portail, j'aime bien. Ouh, j'ai vu ce que je pense, On a vu la récompense finale, donc enfin un spider parachute de Gwen. Donc ça pourrait être un... Enfin un planeur pour mon Spider-Man. Arachnacrobatie, plutôt. Trop stylé. Spider caisse claire. Par contre, j'adore. J'adore, c'est sympatoche. Oh, c'est un sac à dos. Trop stylé pendant ce temps-là. Baboum. Ah, c'est trop stylé. J'adore. Donc voilà, la récompense ultime. Spider-Gwen, elle est trop belle, putain. Et le fond d'écran. Oh, ça fait en mode... On voit les... Bah, l'étoile d'araignée de Spider-Gwen, mais ça fait à la mode comique. J'adore. C'est tout en dessin. Elle est trop, trop belle. Ah, je suis qu'en kiff. Ah, j'ai hâte de tomber dessus, hein. Donc maintenant, on a aussi la récompense bonus. Alors, récompense bonus, d'accord, c'est un changement de couleur. Grise sauvage, ok. Ah! Vroom vroom. De série icône. Ok. Jumeau presto pastel. Plongeon de réalité. Linox rose punk acidulé. Ouais, je suis toujours pas fan du perso. Oh, Spider Gwen, Gwen Stacy. Donc en gros, Gwen sans son masque, c'est insane. Ah bah voilà, je suis bête, on pourrait zoomer comme ça. Magnifique. Tu es magnifique, ma chérie. Donc ça veut dire que là, j'aurais pu zoomer sur la Spider Gwen de tout à l'heure. Voilà, on la voit. Elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique, sa mère. Je suis fan. Donc, bah, bien sûr, l'abonnement. Ça, c'est quand on prend le club. J'ai déjà le perso. Et bientôt, donc, ce qui sera bientôt dispo, le héros. C'est le méchant, l'antagoniste de cette saison, tout simplement. Et donc, on pourra débloquer la récompense, le héros. Alors honnêtement, je ferais peut-être une game dessus pour vous faire une vidéo. Mais honnêtement, après, je pense même pas que je le rejouerai. Je suis pas hyper fan du look du héros, du méchant. Et les autres pages, on pourra pas le voir, il faut attendre 46 jours. Voilà, faut attendre 46 jours pour tout. Donc elle aura peut-être un changement de style. Elle a un sac à dos, un outil de récolte, donc elle aura peut-être un planeur, un truc en forme de fleur, comme on a déjà eu. Mais en tout cas, je suis content que l'on ait... enfin la Gwen, parce qu'à chaque fois on entendait des teasers, des leaks en disant qu'elle va bientôt venir. J'attendais énormément. Il y avait aussi des rumeurs comme quoi elle serait dans un comic. Et au final, bon, on l'a eu dans le Battle Pass et je suis autant content. Bon, et ben les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, voilà ce que je voulais dire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Battle Pass. Moi, franchement, je le kiffe. Honnêtement, je le kiffe, je pense, autant que celui d'avant. De tous les Battle Pass que j'ai fait, pour l'instant, celui-là est mon préféré. Et j'en ai pas fait des masses, hein. J'ai fait celui d'avant avec Dark Vador, qui était en récompense finale. Et celui d'avant en récompense finale, qui était Doctor Strange. Mais j'avoue que je suis fan de Spidey du côté Marvel et Batman du côté DC. Espérons qu'il y aura un jour un Battle Pass avec Batman, avec un look super stylé. On aura peut-être, bien sûr, peut-être Miles Morales qui arriverait, mais je pense en boutique, parce qu'il y a aussi des teasers dessus.
Mais dites-moi donc, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt la prochaine pour d'autres vidéos sur Fortnite. Allez, ciao, ciao, Mina.